Dans un pays où la liberté d'expression n'est pas toujours garantie, la population saisit toute opportunité pour faire entendre sa voix sur les questions d'actualité. Comme ici, dans un stade des martyrs plein à craquer, où avant le match RDC-Zimbabwe, le stade a rejeté à l'unisson l'usage de la machine à voter lors des prochaines élections. Suivez.